Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons travailler sur des listes et utiliser Map. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo LeadSpeak que j'ai faite juste avant, je vous conseille de la regarder en premier. Alors on nous dit, dans un forum d'utilisateurs, on peut poser des questions, d'autres peuvent y répondre. Et donc on peut également cliquer sur un petit cœur pour dire que la réponse nous plaît. Alors, dès que quelqu'un propose une réponse, il gagne un point. Et par contre, s'il a donné une réponse et que quelqu'un a apprécié cette réponse, il gagne 10 points supplémentaires. Donc, plus précisément, on imagine un forum où il y a différentes personnes. Donc là, Amaury, Amélie, Anne, etc. Et donc, par exemple, la première personne a posté 8 réponses. Donc, elle a eu 8 points, on va dire, et elle a eu un cœur. Donc il y a une personne qui a apprécié une de ces 8 réponses. Ça veut dire qu'elle aura en tout 8 fois 1 point, puisqu'elle a donné 8 réponses, mais comme elle a eu un cœur, elle gagne 10 points par cœur, donc ça fait 8 plus 10, 18. Donc elle a 18 points. Donc ce que l'on voudrait, c'est à partir donc d'une liste, ici on voit bien qu'on a une liste, mais à l'intérieur, chaque élément est lui-même une liste, avec l'utilisateur, le nombre de réponses qu'il a donné et le nombre de cœurs qu'il a obtenu. Donc ce que l'on veut, c'est écrire une fonction qui s'appelle best3. Ce sont les 3 meilleurs internautes, donc ceux qui ont les meilleurs scores, une fois qu'on a fait donc le calcul. Donc là, si je lance best3 avec forum, il faut qu'il me réponde. C'est Anne qui a le plus de points, ensuite Amélie, ensuite Antonin. Donc là, par exemple, Anne qui est ici, elle a posté 35 réponses et elle a eu 17 cœurs. Donc ça lui fait 170 plus 35, ça lui fait bien 205 points et c'est en fait elle qui a le maximum de points. Donc vous voyez que c'est bien classé par ordre décroissant, donc 205, 198, 101. Et on oublie les autres, on garde que les 3 premiers. Donc voilà la fonction que nous devons écrire. Donc on a plusieurs choses à faire. Il va falloir calculer les différents scores, donc ça veut dire garder le prénom, mais ici au lieu d'avoir 8 et 1, il faudra avoir 18, puisque 1 cœur ça fait 10 points, donc ça fait bien 10 plus 8. Ensuite, il faudra classer, donc qui a le meilleur score, ensuite quel est le deuxième, troisième, etc. Et ensuite l'affichage, qui sera « je veux le prénom » et entre parenthèses, le score. Donc on va commencer par donc, le calcul des scores. Donc là, on avait vu dans une vidéo, puisqu'il s'agit de transformer les éléments de forum en quelque chose de très ressemblant, donc ça va ressembler à ça, sauf que ici, il n'y aura plus 2 éléments, mais un seul. Donc, c'est de dire, je vais appliquer une certaine fonction à une liste. Donc là, on va commencer par s'occuper de la fonction qui va calculer donc le score. Donc, je vais définir, je vais l'appeler SC, hein, le score d'une personne. Donc, une personne, qu'est-ce que c'est pour moi une personne? C'est tout ça. C'est la liste avec son prénom et les 2 valeurs. Donc, on va retourner quoi? Ben, il faut que je garde le prénom. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'il y a à la position 0 de la liste. Donc, ça, la position 0, ben, c'est lui. Et le score lui-même, c'est le nombre de réponses de l'internaute. Donc, ça, c'est P1, donc ça correspond à lui. Plus 10 points fois le nombre de cœurs que la personne a eu. Donc, ça, c'est P crochet 2. Donc, c'est le deuxième paramètre fois 10. Donc voilà, si je teste, donc si je lui demande quel est le score de, alors je ne peux pas écrire que forum, mais il faut que je précise quelle personne. Donc là, je vais demander quel est le score de la première personne du forum. Il va me répondre, c'est Amaury, 18. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour commencer à écrire notre best3. À partir de notre forum, donc que je vais appeler petit f, donc ça sera notre paramètre. Donc ça serait de dire, je vais retourner quoi? Eh bien, je vais appliquer le score aux éléments du forum. Donc pour chacun des éléments du forum, donc pour celui-là, ensuite Amélie, etc., il va appliquer SC, donc il va appliquer ça.
Et donc, il va me renvoyer map. Alors, on sait que map tout seul, on aura un affichage qui ne va pas être terrible. Donc, on va dire une liste. On va mettre ça sous forme de liste. Donc, si maintenant, j'écris best 3 et que je l'applique donc à mon paramètre qui est forum, il va me dire, je vous renvoie une liste avec comme premier élément Amaury,18, Amélie,19, etc. Donc voilà pour la partie score. Alors deuxième version, toujours pour les scores, on n'est pas obligé de définir à part une fonction, donc en lui donnant un nom, on peut directement créer la fonction à cet endroit-là. Donc j'aurais plus besoin de SC. Alors comment on fait ça? Donc on utilise ce qu'on appelle une fonction anonyme, donc il n'y a pas besoin de lui donner de nom. Et dans ce cas-là, ici, il faut écrire lambda. Donc vous écrivez lambda, ça veut dire fonction anonyme. Et on va définir la fonction qui était là, mais directement dans map. Donc on avait dit que le paramètre c'est petit p, donc c'est ce que j'avais mis ici, paramètre petit p, et on doit renvoyer ça. Donc on écrit petit p, deux points, et là, qu'est-ce qu'on doit renvoyer? Donc c'est la fonction anonyme qui, a petit p, renvoie ce qui est là. Et donc ce qui est au-dessus, donc ce qui est là, on peut l'enlever. Voilà, donc j'enlève ça, et ici, j'ai la liste où je vais transformer, donc grâce à map, je vais transformer les éléments du forum, et pour chaque personne du forum, je le remplace par ça. Donc si je fais relancer, que j'écris donc best3 et entre parenthèses forum, j'ai la même chose. Donc voilà pour une version un peu plus courte de ce qu'on vient de voir juste avant. Donc on a dit au début qu'on avait plusieurs choses à faire, calculer les scores, donc ça c'est fait, ensuite classer par ordre décroissant les scores, et ensuite le problème de l'affichage avec le prénom et entre parenthèses les points. Donc là je ne peux pas retourner tout de suite ça, par contre je peux mémoriser dans une variable que je vais appeler score, donc la transformation avec le prénom et le nombre de points de chaque personne. Et maintenant, il faut que j'arrive à trier. Donc ce qui paraît un petit peu difficile ici, c'est de se dire comment je vais trier par rapport au 18 qui va apparaître ici. Amélie, elle a peut-être un score de 30. Donc comment trier par rapport finalement à la deuxième composante? Alors, on peut trier avec Python en utilisant donc là le sort. Score, donc on va demander à trier le score, sauf que ça, ça ne peut pas marcher puisqu'on a deux composantes. Donc il faut rajouter un paramètre qui va s'appeler la clé, donc ça va être par rapport à quoi on veut trier. Et bien là, je vais mettre donc une fonction anonyme exactement comme on a fait au-dessus, donc que je vais appeler donc toujours avec lambda. Et on va dire que pour un élément, donc un élément, hein, ici il faut bien comprendre que je cherche à trier quelque chose comme ça, il faut que je trie donc par rapport à la composante 1, composante 0, composante 1. Donc ici on va mettre pour un élément P, il va falloir trier par rapport à la clé qui est P1. Donc là les parenthèses ça a l'air d'être bon. Donc on va demander à afficher ça, donc je vais faire un print. Voilà, donc on lui demande d'afficher, j'aurais pu faire bien sûr un return, là je lui demande d'afficher le tri des scores en utilisant comme clé pour un élément donc de score, l'élément qui va servir de tri, c'est celui qui est à la position 1. Donc c'est bien le vrai score. Donc si je fais relancer, que j'écris best3 forum, comme ça, là on voit qu'il m'a trié, donc j'ai 18, après j'ai 34, et j'aurai les nombres, mais par ordre croissant. Donc c'est pile l'inverse que je voulais, moi je voulais par ordre décroissant. Donc ce que l'on peut également faire, c'est à l'intérieur donc, du tri, rajouter un troisième paramètre qui s'appelle reverse, donc pour dire je veux inverser, et on le met à vrai. Donc si je fais relancer, best3 avec comme paramètre donc toujours notre forum, on va se retrouver maintenant avec Anne, 205, donc il a bien mis le plus grand en premier, le 198, etc.
Donc le score, c'est fait, le classement, c'est fait. Donc là, attention, je peux l'appeler classé puisque je n'ai pas terminé. Donc classé, et je vais enlever donc une des parenthèses ici. Voilà. Donc on a le score, on a classé. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est l'affichage avec, non pas cet affichage-là, mais Anne, entre parenthèses, 205. Donc ça veut dire que je dois transformer chacun des éléments de cette liste-là en un autre formatage. Donc, si j'ai quelque chose à transformer, je peux utiliser Map. Map, c'est vraiment pour toutes les transformations que je vais appliquer à classer. Et maintenant, ici, il me faut une fonction. Donc la fonction, on va continuer avec lambda pour éviter de créer une fonction ailleurs. On va la mettre directement ici, une fonction anonyme, et dire que pour un élément qui est là, donc P, ça va être Anne, virgule 205, il me faut une autre écriture. Alors l'autre écriture, ça va être je récupère le prénom, voilà, et on va concaténer, donc on va ajouter, entre guillemets, une parenthèse. Donc ça veut dire que j'aurai Anne, espace, j'ouvre une parenthèse et je rajoute P1 qui est le score, donc ici 205. On va voir qu'il y a un petit souci en faisant ça, plus et une parenthèse qui ferme. Donc là, on se dit, j'ai bien le prénom et j'ajoute espace avec entre parenthèses le score. Donc ça paraît bien. Je l'ai appliqué à classer, donc à tous les éléments de classer. Et puis, je vais faire un petit print ici. Voilà, un petit print comme ça. Alors, si on teste, donc si j'écris, on va voir que ça va pas fonctionner. Forum. Donc là, il nous met map, donc ça, c'est pas trop le problème. On va mettre donc liste. Donc on va lui demander d'afficher ça comme une liste. Donc je refais best 3 forum, mais on va encore avoir un problème. Voilà. Donc il nous dit qu'il y a un problème, c'est qu'il n'arrive pas à convertir un entier, donc integer, en string. Et c'est ici, le score, c'est bien un nombre, puisqu'ici on a fait un calcul, et là je suis en train de lui demander de mettre du texte et de concaténer avec un nombre. Donc il va falloir ici lui dire de transformer en string le nombre, donc ça sera maintenant une chaîne. Donc je peux vous montrer un petit exemple ici. Si je fais str de 5, 54 par exemple, il va nous dire maintenant c'est plus le nombre 54, c'est la chaîne 54. Voilà. Donc si je fais relancer, que j'écris best 3 forum et que je ferme la parenthèse, j'ai bien maintenant une liste avec dans chacun pour chacun des éléments le prénom, espace, entre parenthèses, le score. Donc maintenant qu'on a réglé le problème du score, du classement et de l'affichage comme on voulait, il reste deux choses. C'est qu'on voulait simplement les trois premiers. Donc on veut pas, là on a tout le monde, mais on veut que les trois premiers. Et ensuite, l'affichage, on ne le veut pas sous une forme de liste, mais on veut Anne 205, virgule Amélie 198. Donc comment faire ça? Donc là, déjà, si je veux les trois premiers, donc je vais appeler ça 3. Ça va être donc la liste où on a fait la transformation avec le prénom et le score pour tous ceux qui sont dans classé. Donc voilà. Sauf que là, je ne veux pas que ce soit pour tout le monde. Je veux que ce soit pour les trois premiers du classement. Donc pour avoir les trois premiers éléments d'une liste, il faut faire donc crochet, deux petits points, 3. Donc ça veut dire du premier, donc le numéro 0, le numéro 1, le numéro 2. Donc ça fait bien trois personnes. Donc on va prendre que les trois premiers du classement. Donc on peut déjà tester ça. Si je lui demande de retourner 3, est-ce que j'ai bien les trois premiers? Donc je vais faire best 3 forum. Donc là, j'ai Anne, Amélie, ensuite Antonin, et si je continue, ça, en fait, il n'y a plus personne. Donc il s'est bien arrêté aux trois premiers. Donc là, on a quasi fini. C'est maintenant, si je veux enlever la liste et puis mettre des virgules entre chaque, eh bien, je vais joindre ces éléments, donc en utilisant guillemets,
virgule, je vais mettre espace pour faire joli, donc ça veut dire qu'il mettra l'élément, virgule, espace, et il passe au suivant. Et on va joindre les éléments qui sont dans 3, donc voilà, donc il va prendre les différents éléments et il va les joindre en utilisant ce qui est là. Donc si je relance, je fais best 3 forum, je fais entrée, et maintenant j'ai une chaîne de caractères avec les éléments voulus. Et donc on a terminé notre programme.